الرابع من أركان الإيمان. Quatrième pilier de la foi. الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. De croire aux prophètes et aux messagers. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون. On doit croire au fait que ce sont des serviteurs qui ne doivent pas être adorés. ورسل لا يكذبون. Et que ces messagers, ils ne doivent pas être taxés de menteurs. وأن الله أرسلهم. Et on doit croire au fait que c'est Allah qui les a envoyés. وأوحى إليهم. Et qu'il leur a révélé. أيدهم بالآيات. Il les a aidés avec des miracles. Ils ont transmis le message. Ils ont transmis le dépôt. Et ils ont conseillé les communautés. Et ils ont transmis tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de transmettre. Et ils ont fait le maximum d'efforts pour transmettre cette religion. نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. On doit croire en tous les messagers et les prophètes. وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم. On doit croire au nom des messagers et des prophètes révélés par Allah. وصفاتهم. Leurs caractéristiques. والآيات التي أدهم الله سبحانه وتعالى بها. Et les miracles avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala les a aidés. والأخبار التي جاءت عنهم. Et les informations qui nous ont été transmises les concernant. أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام. Le premier prophète c'était Adam. أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. Le premier messager c'était Noé. خاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Le dernier des prophètes et des messagers c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. Toute personne qui prétend être un messager ou un prophète après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فهو كاذب والله وكافر كفرا أكبر. C'est un menteur et en plus c'est un mécréant. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ختم الله سبحانه وتعالى به النبوة والرسالة والله أعلم. Car Allah subhanahu wa ta'ala a finalisé la prophétie et le message avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. نعم.